Bonjour, Yvan et Sylvie du Lacroix Cruiser et on veut vous donner un petit update sur quoi qu'on fait, quoi qu'on va faire avec cet autobus-là et quoi qu'on a fait à date. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses. Ouais, à date, on a fait un peu de mécanique. Sylvie, elle a fait beaucoup de nettoyage à l'intérieur. Elle a vu les effets personnels des anciens propriétaires. Aussi à l'extérieur, elle a passé la laveuse à pression pour enlever le clear Le clear qui enlevait tout au qui devait tout, ouais. Il en reste un peu à des places, mais quoi qu'il va, il n'est plus là. Autre que ça, c'est bien le poli des roues aussi. On a installé des roues d'aluminium, des roues 9 pouces versus les anciens 8,5. Ça nous donne la capacité de mettre des pneus plus standard maintenant. En 95, c'était des 12 heures 12, 22,5. Là, c'est des 315, 80, 22,5. En changeant ça, on a été obligé de changer des studs qui tiennent les roues aussi. On a changé un seal en avant. Les deux seals en avant. Un seal en arrière. Un seal en arrière. Le seal en arrière coulait. Heureusement, il n'a pas affecté les freins. Donc, on n'avait pas à changer les freins, juste le seal. Aussi, on a graissé tous les points de graissage et de plus qu'un. Il y en a plusieurs. Aussi, fait un changement d'huile, les filtres à fuel, le filtre de refroidissement, liquide de refroidissement. Faites un petit test drive. Very good. Ouais. Ça fonctionne très bien. C'est ça. Aussi, on a mis des batteries neuves. Batterie neuve pour le démarrage. Aussi batterie neuve pour la maison. Ou lithium pour la maison. Ils sont pas installés en permanence, ils sont juste là pour se rendre chez nous. Parce que la baie qui contient les effets mécaniques de l'autobus, les tanks, le système de chauffage, etc., c'est à revoir. Mettons, on va dire ça. Ouais, c'est ça. À revoir. C'est vraiment à réinstaller un peu. Ouais. Mais quand même, à date, c'est très bien. On a juste hâte de prendre la route puis ouais. De voir comment ça va aller. Donc, cette semaine, plus tard, on prend la route. C'est un voyage de 5000 km de ici où on est en Arizona, revenir au Québec. On va prendre ça lentement. On n'est pas pressé pour tourner. On n'a pas d'ouvrage qui nous attend avec le COVID-19. Donc, on a nos enfants qui nous attendent, mais autre que ça, sont patients. On les contacte régulièrement avec Facebook, etc. On va prendre notre temps. On est habitué de conduire à deux, donc oui. Des chiffres de 2 heures chaque. Là, on va conduire chacun notre autobus. Conduire quel autobus, mais on quand va sûrement changer. Oui, c'est ça. mais cet autobus-là, le Cruise, le GMC n'a pas de Cruise, donc ça va être plus le fun de conduire celui-là dans le bout du le West américain, là, où c'est plat, puis il n'y a pas grand-chose à voir. Autre que ça. On passe les douanes. On passe les douanes. Ça, on utilise un courtier en douane. Le monde a peur d'importer un véhicule des États-Unis. On l'a déjà fait avec le GMC il y a 3 ans. C'est facile quand on utilise un courtier en douane. C'est un 350 $ très, très, très bien investi. C'est facilitant parce que les papiers sont prêts. T'arrives ouais. À la douane. C'est déjà étampé, il n'y a pas de questions, ils vérifient les numéros de série, puis ça va très bien. Ouais. Ça a bien été la dernière fois. Ça a très bien été, puis c'est le courtier en douane qui est sur place de la compagnie qui vient faire la transition. Donc nous, on n'a pas à faire affaire avec le douanier. Autre que ça, comme je dis, on va prendre notre temps, on va avoir des vidéos en chemin, c'est certain. C'est sûr. Et aussi, on va commencer à faire plus de vidéos en français de la rénovation de l'autobus. On sait sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos en anglais, mais des vidéos en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on veut propager ce style de vidéo. Et aussi, le hobby de rénover des autobus, c'est le fun, c'est valorisant. Et c'est très très fun. Ouais.
Il y a des journées que c'est moins fun que d'autres. Ouais. Ça va bien aller. Ouais, ouais, ça va bien. On va vous faire un update. Ouais, c'est ça. Donc, merci pour nous avoir regardé. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées, laissez-les dans les commentaires plus bas. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Instagram. Juste rechercher La Croix Cruiser. Merci beaucoup. Journée. Non, non. I don't speak French. No. I don't speak English.